إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. الله سبحانه وتعالى Et ne tuez pas l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu sacré. Et celui qui est tué injustement, nous avons donné à son proche parent un droit et un pouvoir, alors qu'il ne transgresse pas dans le meurtre, parce qu'il est déjà assisté par la loi. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fi dinina النفوس غالية عزيزة عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان مسلما أو غير مسلم، إنسان أو جن أو حيوان. الله سبحانه وتعالى عز مقام النفوس وجعل لها حراما، كما جعل بيته حراما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنما جعل يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت لأنه كان يرغب في تعذيب قومه بعدما رفضوا رسالته. والنفس عزيزة عند الله، فجعله الله في بطن الحوت من أجل هؤلاء النفوس غير مسلمة ولكن عزيزة ومحبوبة عند الله سبحانه وتعالى. فسمى نفسه عز وجل الودود الذي يحب عباده. الله سبحانه وتعالى il a rendu l'âme sacrée auprès de lui. Et c'est le même mot sacré, haram, qu'il utilise pour sa maison, Bayt al-Haram. Et chaque âme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a une sacralité. Que ce soit un musulman, un non-musulman, un humain ou un djinn ou même un animal. Même un animal ne doit pas être tué pour rien ou pour du jeu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné beaucoup de valeur aux âmes qu'il a créées. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que une des causes pour laquelle le prophète Yunus alayhi salatu wa sallam il a été avalé par le poisson, c'est parce que après que son peuple il ait refusé son message, Yunus alayhi salam il est sorti de la ville avec l'espoir que Allah il va les châtier, c'est-à-dire qu'Allah il va les détruire. Mais il n'a pas attendu qu'Allah lui donne l'autorisation. Et Allah il n'a pas aimé le fait qu'il soit pressé qu'Allah l'ait puni. Alors Allah l'a mis dans le ventre de la baleine. Une prison pendant plusieurs jours. Pourquoi Allah il a fait cette situation? Pour des âmes qui ne sont même pas musulmanes. Tellement que l'âme elle a de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit
Allah parmi ses noms c'est Al-Wadud. Al-Wadud c'est celui qui est rempli d'amour pour ce qu'il a créé. Allah il aime ce qu'il a créé. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit, tu resteras dans le bien tant que tu n'as pas fait couler le sang de quelqu'un. Wa awwalu ma yuqda bayn al-ibad yawm al-qiyamah ad-dima. Wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Fa ad-dima an-nufus 'aziza 'inda Allah. نفوس الآخرين ونفسك أنت حيث قال الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة أي هذا النفس الذي أعطيتك إياها لا تدمرها بنفسك وقال أيضا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما لا تقتل نفسك بالدفاع نفسك إلى الخواطر أو تقتل نفسك بكيفية سريعة أو بطيئة لأن النفس خلقها الله سبحانه وتعالى وعزمها ورفعها وحرمها ووقع في الإسلام حديث يرينا أهمية النفوس مسلمة كان أو غيرها وأهمية النظام وتحريم الفساد تحريم الفساد ولو بعد قتله أحب الناس إلينا إي الله سبحانه وتعالى في القرآن il dit ne vous jetez pas dans la perte وَلَا تُلْكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ C'est-à-dire que tellement l'âme elle est importante auprès d'Allah, Allah il t'a interdit à toi-même de te mettre en danger, de te mettre dans des situations qui pourraient détruire ta personne. Allah il te l'a interdit. Et Allah il dit aussi, ne vous tuez pas vous-même. Ne vous tuez pas vous-même. C'est-à-dire d'une manière rapide ou d'une manière lente, en prenant des risques, en roulant à des vitesses non autorisées, en consommant des choses qui vont détruire ta santé, de manière rapide ou de manière lente. Même celui qui est en train de fumer et qui détruit le corps qu'Allah lui a donné, s'il meurt d'une maladie des poumons ou autre, c'est comme s'il a tué sa propre personne. Et Allah, il lui a interdit cela. Et il est arrivé dans l'islam un événement qui nous montre combien l'âme, elle a de la valeur dans la religion d'Allah, que ce soit l'âme d'un musulman ou d'un non-musulman. Et combien aussi Allah, il a interdit de semer le désordre sur terre. Et cette histoire aussi, elle nous montre que après la mort d'un proche, il ne nous est pas autorisé de faire ce que l'on veut, même si on est pris par les sentiments. Ubaydullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ba'dama qutila Umar, qala Abdurrahman ibn Abi Bakr annahu ra'a جفينة وأرمزان وأبو لؤلؤ يتناجون سريا فلما أفتنوا به ورأوه سقط من بينهم خنجر فلما سمع ذلك عبيد الله ابن عمر بعدما أن طهن عمر بالخنجر ذاب بسيفه وقتل أرمزان وقتل جفينة وقتل بنت أبو لؤلؤ
فأخذ وسجن. وابن هرمزان كان مسلما فجُعل بين يديه، فذهبوا بعبيد الله بن عمر ليقضي عليه. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقال ابن هرمزان: هل علي قتله؟ قالوا: نعم. مات الأب وسيموت الابن، مصيبة، ولكن هذا هو الحق. فقال: هل ستمنعوني عن قتله أو يصيبني ضرر بعدما أن قتلته، لأنه هو مسلم قديم وأنا مسلم جديد؟ قالوا: لا. فقال: عفوت عنه لله ولكم. فرفعوه الناس ولم يدخل المدينة إلا فوق رؤوسهم بعفوه. Quand Omar ibn al-Khattab est mort et qu'il a été assassiné par Abu Lu'lu, qu'il l'a poignardé à 6 reprises à la prière de Fajr, pendant qu'ils étaient en train de discuter, Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr, il a dit: moi j'ai vu Abu Lu'lu, celui qui a tué ton père, je l'ai vu il y a quelques jours en train de discuter avec Jafina le chrétien et avec Hormuzan le perse qui a dit qu'il est rentré dans l'islam. Je les ai vus discuter ensemble. Et dès qu'ils m'ont vu, c'est comme s'ils ont été effrayés et il y a un couteau qui est tombé. Et c'est un couteau qui est tordu comme le couteau avec lequel ils ont tué ton père. Ubaydullah, le fils de Omar, lorsqu'il a entendu ça, ni une ni deux, il est parti vers Hormuzan. Il lui a dit: je veux te montrer des chevaux. Et Hormuzan, il connaissait bien les chevaux. Il a dit: tu vas m'indiquer. Et quand ils sont sortis ensemble, Ubaydullah, il a sorti son sabre et il l'a tué. Dès que Hormuzan, il a senti la chaleur du coup de sabre et qu'il est en train de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illallah. Il est mort sur ça. Ubaydullah, le fils d'Omar, il est parti voir Jafina le chrétien, qui était un citoyen de la terre de l'islam, et il l'a tué aussi. Et il est parti voir la fille de Abu Lu'lu, celui qui a tué son père, et il a tué cette fille qui était jeune. Alors les musulmans, ils l'ont attrapé. Et ils ont discuté sur son sort. Certains, ils ont dit: il a fait ça sous le coup de la colère et les sentiments, on lui pardonne. D'autres, ils ont dit: non, il a semé le trouble et le désordre. Il n'avait pas à faire ce qu'il a fait, même si on a tué son père. Alors lui aussi, il doit être tué. Ils ont appelé le fils de Hormuzan et lui ont dit: voilà, dans l'islam, lui, il a tué ton père. Tu as le droit de réclamer la vengeance. Alors ils l'ont ramené à l'extérieur de la ville, dans l'endroit où les gens ils sont punis. Et le fils de Hormuzan, c'est un converti. Et le fils de Omar, c'est un ancien musulman. Il a dit: donc j'ai le droit de le tuer? Ils ont dit: oui. Il a dit: mais si je le tue, vous allez me faire du mal? Ils ont dit: non. Et si je le tue, vous allez essayer de m'empêcher? Ils ont dit: non. Il a dit: alors je lui pardonne pour Allah et pour vous. À ce moment-là, les gens, ils l'ont levé au-dessus de leur tête, tellement qu'ils étaient contents. Parce qu'ils étaient sur le point de perdre. Ils ont perdu le père, Omar. Ils allaient perdre aussi le fils, Ubaydullah. Et par son pardon, sa vie, elle a été sauvée. Et ils l'ont levé au-dessus de leur tête en le portant jusqu'à retourner dans le Médine. Il a dit: j'ai même pas marché. Ils m'ont porté au-dessus de leur tête, tellement que ils ont été satisfaits par son pardon. Enfin, l'âme, elle est chère, mais la perte d'une âme, elle ne permet pas
le tout et le n'importe quoi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وجعلنا أحب الناس بك وأحب الناس بك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن عبد الرحمن بن أبي ابن أبر خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأثنى على طوائف المسلمين خيرا، ثم قال: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعيذونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون، والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعيذونهم ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لو عاجلنهم العقوبة. شنو عبد الرحمن ابن أبر؟ Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est monté sur le minbar. Et il a dit du bien de certains musulmans. Et d'autres musulmans, il a dit, pourquoi certains musulmans, ils n'apprennent pas la religion à leurs voisins. Ils ne leur font pas comprendre la religion. Ils ne leur font pas de rappel. Ils ne leur ordonnent pas le bien. Ils ne leur interdisent pas le mal. Et pourquoi certains voisins, ils n'apprennent pas de leurs voisins qu'ils connaissent. Et ils ne cherchent pas à comprendre la religion, ni à écouter leur appel. Par Allah, ceux qui connaissent là, ils doivent apprendre à leurs voisins, leur faire comprendre et leur faire un rappel, et leur ordonner le bien et leur interdire le mal. Et ceux, et les autres là, ils doivent apprendre de leurs voisins qu'ils connaissent, comprendre et écoutez leur appel, sinon je les punirai dans ce bas monde avant la punition de l'autre monde. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dhakara annahu fil akhir yu'aqibu haulahi alladhina indahum shay'an min al-ilm wa lam yajtahidu litabligh hadha al-ilm liman yahtajuhu min jiranihim فينتظرهم العذاب في الآخرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعذبهم في الدنيا قبل الآخرة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس من الجهل فرض عين وفرض كفاية على حسب المواقع، ولكن إن هي فرض وليس بسنة. ف لما بدأ الفساد فيما حولنا، كان المطلوب من كل واحد منا أن نجتمع ونتوجه إلى هؤلاء الذين يفسدون في الأرض، لنأمرهم بالمعروف ولننهاهم عن المنكر ولنجلب بقلوبهم إلى الحق وإلى الصواب. وتركنا هذا الأمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله جعلها مسؤولية على أعقابنا، على أعناقنا. فكان على كل واحد منا أن نجتمع ونتوجه في حينا إلى هؤلاء، وإن لم نكن به نحن أهل المسجد أهل الجمعة، فمن يقوم به؟ هل تعرفون من قام به؟ بعض النسوة، بعض الأمهات، خرجنا من ديارهن، توجهنا إلى هؤلاء المفسدون ليلا لينهاهم، دفعتهم حرارات الحنان والرحم
أما نحن الرجال كم منا خرج إلى هؤلاء ليصلحوا في الأرض ولا يفسد. وقال الله سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit dans le hadith que ceux qui savent, ils doivent apprendre, enseigner, ordonner le bien, interdire le mal à ceux qui ne savent pas. Et s'ils ne le font pas, ceux qui savent, ils seront punis dans l'au-delà, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait les punir dans ce bas monde. Et ceux qui ne savent pas, ils seront punis dans l'au-delà, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait les punir dans ce bas monde. Quand le mal il a commencé autour de nous, les émeutes et la casse, ce qui était attendu de chacun d'entre nous, c'est de sortir dans nos quartiers, que ce soit en groupe ou individuellement, et d'aller voir les émeutiers, d'aller voir ces jeunes qui sont pour la plupart de nos enfants et nos frères, et de leur faire le rappel, et de les appeler vers le bien, de leur indiquer le droit chemin, leur interdire le mal, de leur faire comprendre que quand tu brûles un Aldi, il n'y a personne d'autre qui va en souffrir que ton père et ta mère. Que quand tu brûles le bus, il n'y a personne d'autre qui va en souffrir que toi et ta famille. Quand tu salis l'endroit où tu vis, il n'y a personne d'autre qui va en souffrir sauf toi qui y vis. C'était ce qui est demandé. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Il a dit, vous êtes la meilleure des communautés. Ukhrijat linnas, sortie pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on ne l'a pas fait, Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas content de nous. Et vous savez, c'est qui s'est occupé d'ordonner le bien et d'interdire le mal et de sortir vers ces gens-là? Ce sont des mères, des femmes qui sont parties dans les quartiers la nuit pour aller dire aux jeunes, ne cassez pas l'endroit où vous vivez, rentrez chez vous. Elles ont été poussées par cette miséricorde qu'Allah a mis dans le cœur des mères, alors que les pères, ils étaient où? Et Allah a dit, et si vous, vous vous détournez de la religion comme il faut, il vous remplacera par d'autres personnes qui seront meilleures. Et ne seront pas comme vous. فالذي فسد في الأرض عليه نصيبه من المسؤولية ومن العذاب والذي كان في إمكانه أن يغير هذا الفساد ولم يفعل فعنده نصيب من المسؤولية ومن العذاب والذي منع الناس أن يأمروا بالمعروف وينهاهم عن المنكر فهذا عنده نصيب أعظم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان. Ceux qui ont cassé et détruit, ils ont leur responsabilité et le châtiment qu'Allah leur réserve. Et ceux qui avaient la capacité de corriger ce mal, d'interdire ce mal, d'ordonner au bien qu'ils n'ont pas fait, ils ont leur responsabilité aussi, la punition qu'Allah leur réserve. Et ceux qui ont empêché les gens d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ceux-là, ils ont encore une plus grande responsabilité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui d'entre vous qui voit un mal, qui le change avec sa main? S'il ne peut pas avec sa main, qui le change avec sa langue? Et s'il ne le peut pas avec sa langue, qui le change avec son cœur? Et ça, c'est le plus bas degré de la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il corrige nos jeunes et nos enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le courage d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Qu'Allah ne nous fasse pas des lâches dans sa religion. Et qu'Allah nous utilise, nous, nos femmes et nos enfants, dans le droit chemin. Qu'Allah nous apprenne notre religion. Allahumma faqqina fi dinina. Wa allimna marashida umurina. Allahumma asturna wahdina. Wa yassir lana umurana. Allahumma kullana wa la takun alayna. Warham amwatana.
اللهم احفظنا من الظالمين، اللهم احفظنا من الظالمين، اللهم احفظنا من المفسدين، واجعلنا من المصلحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي الله على محمد وعلى أهله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قم إلى صلاتكم راشدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تدعون لتنفقوا
تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ذكر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.